Salut mon sportif et bienvenue sur ma chaîne Alex Levent. Aujourd'hui, une autre méthode d'entraînement pour la prise de masse musculaire et particulièrement la prise de masse qu'on appelle l'hypertrophie myofibrillaire. Si tu ne sais pas de quoi je parle, si ce terme te paraît un petit peu barbare, j'ai déjà expliqué ce terme dans une vidéo précédente que tu pourras retrouver sur le bouton i qui s'affiche là. Mais je sais qu'il y a des nouveaux qui viennent d'arriver sur ma chaîne. Un minimum de politesse s'impose de mon côté. Je vais donc t'expliquer en l'espace de quelques phrases de résumé qu'est-ce que c'est que l'hypertrophie myofibrillaire. Il faut, pour comprendre ça, il faut voir ton muscle comme étant la logique des poupées russes. Dans les poupées russes, tu as la plus grande, d'accord, et puis juste en dessous, tu vas avoir d'autres poupées russes, de plus en plus petits. Et ben voilà, c'est exactement cette logique qu'il faut avoir pour comprendre ce que c'est que l'hypertrophie myofibrillaire. Là, c'est une vision holistique de ce que tu vois à l'intérieur. C'est la dernière poupée russe. À l'intérieur de mon biceps, tu vas voir la deuxième poupée russe qu'on appelle les faisceaux musculaires, représentés par les faisceaux musculaires. Et juste en dessous des faisceaux musculaires, encore des éléments plus petits, tu vas trouver des fibres musculaires. Donc la troisième poupée russe et encore plus petit, la quatrième poupée russe, tu vas trouver des myofibrilles. T'as compris, les myofibrilles composent la fibre musculaire qui elle-même compose les faisceaux musculaires qui eux-mêmes composent le muscle que tu vois ici en vidéo, le biceps. Voilà, et ben on va parler des myofibrilles. C'est eux qui ont tendance à grossir en nombre et en taille, ce qui fait que ton muscle va prendre de la place et c'est ainsi que tu vas avoir un plus gros biceps pour impressionner tes amis, peut-être ta copine ou bien peut-être ton copain si jamais tu es une fille. Bref, peu importe la raison, voilà, tu as compris ce que c'est que l'hypertrophie myofibrillaire. Mais si tu veux en savoir davantage, parce qu'il n'y a pas que ça, il y a aussi l'hypertrophie sarcoplasmique, l'hypertrophie vasculaire, j'ai tout expliqué de A à Z dans la vidéo qui se trouve ici, même de A à Z+, parce que je suis rentré dans le détail avec des bonus supplémentaires. Bref, aujourd'hui, je te présente une méthode 4 séries de 6 répétitions dans laquelle tu vas pouvoir normalement porter 8 répétitions maximales. Je t'explique. Alors, j'ai sorti mon tableau pour être sûr de ne pas dire de conneries. Mon tableau de Poliquin, c'est toujours ma bible à chaque fois que je fais des vidéos sur la prise de masse musculaire. À quoi ça correspond ça? Eh bien, en fonction du pourcentage de ton maximum, voilà, 100%, 70%, 60% de ta force maximale, eh bien, tu vas pouvoir faire des répétitions théoriques. Par exemple, si tu as 100% de ta force maximale, tu es censé faire qu'une seule répétition. Si tu travailles à 90% de ta force maximale, tu es censé faire 3 répétitions, etc., etc. Donc là, je te l'ai dit tout à l'heure, tu vas faire une méthode où tu vas faire du 4 séries de 6 répétitions. Pour les deux premières séries, tu vas travailler à 78% de ta force maximale. Donc, tu es censé en faire 8 répétitions, mais tu t'arrêteras à 6 pour les deux premières séries. Et enfin, pour les deux dernières séries, eh bien, tu feras toujours ces 6 répétitions, mais tu rajouteras encore 4 répétitions supplémentaires en utilisant des rest-pauses pour les 4 dernières répétitions. Qu'est-ce que ça signifie? On va prendre l'exemple à la salle du développé couché, mais ça aurait pu se traduire par des pompes à la maison. D'accord? Premier exemple, développé couché, tu vas faire 2 séries où tu vas charger à 78% de ta force maximale, poids de la barre comprise évidemment, ce qui correspond à 78% de ta force, donc comme si tu pouvais faire 8 répétitions. Mais tu t'arrêteras à 6 pour économiser un petit peu pendant les deux premières séries. Puis ensuite, pour les deux dernières séries, eh bien, tu vas garder le même poids, tu vas faire 6 répétitions, d'accord? Et ensuite, tu continues la 7e, tu laisses la barre sur les protections, tu te laisses environ entre 10 à grand maximum 20 secondes de pause. D'accord? Entre 10 et 20 secondes de pause pour réenchaîner la répétition suivante et tu reposes la barre. Bien sûr, je te conseille d'être assisté par un partenaire si tu veux pas te retrouver la barre coincée en mode guillotine au niveau de ta gorge, ce serait bien dommage. 10 à 20 secondes de pause, tu réenchaînes pour faire en tout 4 répétitions supplémentaires. Je te conseille environ entre 1 minute 30 à 2 minutes de pause. La tranche est assez large en fonction de la capacité de chacun à mieux récupérer ou pas. D'accord? L'idée, c'est de pouvoir faire la série suivante proprement. Et là, tu auras donc un bon temps de repos.
faut qu'il soit suffisamment court pour que ce soit intense, pour favoriser l'hypertrophie, pour rendre la séance intense, mais suffisamment long aussi pour que tu puisses faire la répétition ou la série suivante proprement. T'as compris? Si t'es à la maison, ben, le raisonnement est le même. On va prendre l'exemple des pompes, encore une fois, c'est toujours l'exemple classique. Tu vas trouver la position, la charge adéquate avec des bandes ou pas, juste au poids de corps, hein, si c'est compliqué déjà pour toi, pour faire 8 répétitions, mais tu t'arrêteras à 6. Même logique, 2 séries, environ 1 minute 30, 2 minutes de pause entre chaque série. Puis pour les deux dernières séries, tu vas faire les 6 répétitions, puis rajouter les 4 dernières répétitions et entre chacune de ces dernières répétitions, laisser un temps de pause entre 10 et 20 secondes de pause. Qu'est-ce que ça va stimuler ? Plus de fibres musculaires, étant donné que tu fais plus de répétitions que tu n'es censé capable de faire avec ce poids-là. Mais grâce au rest pause, eh bien, ça va permettre à ton corps de récupérer un petit peu d'ATP dans ses muscles. Qu'est-ce que l'ATP ? L'adénosine triphosphate, l'énergie utilisable par tes muscles. Eh bien, en laissant entre 10 et 20 secondes, tu vas permettre à ton corps de reconstruire un petit peu cet ATP. Un peu comme dans Attaque des Titans, quand les titans se régénèrent un petit peu, ça se régénère. Si tu laisses un temps de repos suffisamment long, eh bien, le corps se reconstruit. Ben là, c'est à peu près la même chose. Tu reconstruis tes réserves d'énergie. Tu vas stimuler ainsi l'hypertrophie myofibrillaire puisque tu vas forcer ton corps à faire appel à toutes les fibres musculaires, en tout cas beaucoup de fibres musculaires vont s'activer afin d'aller au-delà de tes capacités. Hein, c'est dur pour lui de pouvoir faire plus de répétitions qu'il est capable de faire, donc c'est quelque chose d'assez contraignant. Ton corps va donc faire appel à, va recruter d'autres fibres musculaires et donc quelque part tu vas améliorer aussi le recrutement des unités motrices. Tu vas donc ainsi améliorer l'hypertrophie myofibrillaire. Tu as tout compris. Si tu as des questions, par contre, s'il y a des choses que tu ne comprends pas très bien, exprime-toi dans la barre des commentaires. Dis-moi quel genre de méthode tu aimes appliquer à la salle de sport. Et si tu as des choses à rajouter que j'ai oublié de préciser, ce qui peut arriver, alors je t'invite à t'exprimer dans la barre des commentaires aussi. N'oublie pas que si tu veux aller plus loin, tu as la capacité, la possibilité surtout, de pouvoir aller sur mon site alexlevent.com. J'ai tout expliqué dessus, il y a une vidéo où je te montre comment je travaille, les questionnaires que j'envoie, les questionnaires physiques et général. Bref, tu en sauras davantage sur mon site. N'oublie pas de me suivre sur YouTube, bien sûr. D'activer la cloche de notification. Suis-moi également sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Snapchat et Twitter. Et je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous.